et à tous, c'est Pikami et Nejane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture en couple. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu sur la chaîne. C'est vrai. Donc voilà, avec mon chéri, ça va être super sympa puisqu'on s'ouvre à nouveau les coffrets, plutôt les tri-packs, la voix du maître que vous avez déjà vu sur la chaîne. Sauf que cette fois-ci, ils me viennent de la boutique Pokémon. C'est une boutique que j'adore, qui est hyper humaine, hyper proche des gens, des collectionneurs, des passionnés. Donc vraiment, je vous invite à aller voir sa boutique tout de suite dans la description. Et vous avez 5% de réduction sur tous les articles hors promo avec le code Pikami. Donc voilà, utilisez-le, ça pourra vous servir à bon escient. Et donc j'espère qu'on va enfin choper ce Draco Fauchemi qu'on attend. Ouais, carrément. Donc ici, je vous les représente rapidement puisque vous les avez déjà vus. On a l'arène de Skiford avec la championne d'arène Donna. Et ici son Torgamore. Donc ça, ce sera mon coffret. Ensuite, on a l'arène de Motorbee avec Kabou et son Scolossandre. Donc ça, ce sera le coffret à la fin, vous verrez bien, on va vous expliquer un petit peu les règles du jeu de ce battle. Et ensuite, ça c'est ton coffret, arène de Greenbury, avec Percy et Blancoton. Et non, attends, tu l'as pas encore gagné celui-là. Parce qu'en fait, on vous explique. Alors ça, c'est le coffret de mon chéri. Ça c'est mon coffret, celui de Skiford. Ouais. Et selon la meilleure pioche, par exemple, si c'est moi qui ai la meilleure pioche, je vais faire l'ouverture... Donc je vais gagner le coffret, enfin plutôt le tri-pack de l'arène de Motorbee, le numéro 3. Voilà, et par contre, en revanche, si c'est toi qui gagne ce battle d'ouverture, eh bien le tri-pack sera à toi, du coup avec la pioche qui est à l'intérieur. Donc c'est parti, je vais commencer peut-être. Ouais, vas-y. Voilà, je vais ouvrir les hostilités avec le coffret, enfin le tri-pack arène de Skiford. Et je vous représente quand même rapidement le coffret, avec la championne Donna juste ici, et son Pokémon fétiche. Allez, on y va. Alors, c'était par où je l'avais ouvert la dernière fois. Donc il faut savoir, de ce que si j'ai bien compris, qu'ils ont ressorti un peu toutes les arènes sous forme de coffret pour la Voix du Maître. C'est ça. C'est ça. De tout le jeu épée et bouclier. Donc il y a vraiment tous les bacs, sans exception. Alors, il en manque un qui sortira, je crois, en novembre. Je crois qu'il y en a que 7 pour l'instant. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai vu passer. Ouais. Je crois que c'est fin novembre qui sortira, ou dans le mois de novembre en tout cas. Ça tombera à pic pour mon anniversaire, qui est le 14 novembre. Bon, est-ce que tu vas nous tirer une conserve douteuse? Non. Horrible quoi. Donc voici le badge que je vous remonte vraiment rapidement puisque vous l'avez déjà vu normalement si vous êtes fidèle à la chaîne. La carte promotionnelle qui est la numéro 047 d'épée et bouclier que je te charge de mettre sous pochette. Ouais. Le temps que je présente les boosters. Travail d'équipe, hein, c'est magnifique. Et ensuite, je vais vous laisser le code parce que je crois que la dernière fois je ne l'avais pas fait. Donc voici le code du tripack. Et j'ai trois petits boosters à m'ouvrir. D'ailleurs, à nous deux, on a eu quasiment tous les Torgamores, si ce n'est tous les Torgamores de la série. Moi, j'ai eu la Rainbow, toi, je crois que tu as eu la Full Art. En fait, moi, c'est simple, je les ai toutes eues, sauf la Rainbow, et toi, tu as eu la Rainbow. Donc, ouais. À nous deux, on les a effectivement. Voilà. Donc, je vais mettre le code de côté. J'ai bien 2, 3, 4, 1, 2, c'est bon, parce que du coup, je me suis déconcentrée entre temps. Ah, les fameux pompiers. Bah, comme toujours, fidèle au poste. Non, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas venus dans la vidéo, donc surprise, mais voilà, il faut bien que ça arrive un jour. Donc, Aspico, Tilton, un cocon fort, une Pokéball, Machoc, une énergie, la Super Ball, Victini, Sunia, en reverse, nous avons un petit Machoc en commune, et Bagaïd en holographique. Bon, on va quand même la mettre sous pochette, même si on l'a en 30 fois. Tiens. Ouais. D'ailleurs, je vais te laisser le... Vas-y. Le paquet de sleeves, je pense, à côté. A savoir que dans cette série, il n'y a pas de rare, hein, il n'y a que des holographiques au minimum. Oui. Donc au moins, c'est toujours par une booster. Petite compensation pour ceux qui veulent des cartes qui brillent. Ah, tu rigoles, mais pour les parents, c'est une solution de faire en sorte que leur enfant ait au moins une carte holographique par paquet. C'est sûr, mais comme elle tombe hyper souvent, on a vite fait de faire le tour et de les avoir en double après. Mais... C'est vrai. Pokéball, Machoc, Bibichute, Total Soin, un Bagiguane, plutôt deux, une énergie, Sonia, Charpedo. Alors mon chéri, il est toujours Charpedou. Charpedou, ouais. Charpedou. J'ai des tics d'enfance où j'ai plein de noms de Pokémon comme ça où j'ai mal prononcé parce que je les ai appris comme ça. C'est mignon. Charpedou. Arbok, un petit Goupix en commune et Scolossandre. En holographique. En holographique. Donc si vous avez vu, pas ma dernière vidéo, mais enfin... La dernière vidéo de coffret, la voix du maître, vous savez que cette carte est devenue un troll pour moi. Donc pour l'instant, pas fou, il nous reste quand même le booster avec Charming et VMAX, ce qui pourrait être potentiellement chanceux, puisque vous avez vu que cette illustration m'avait porté chance. Pas forcément par rapport à la conserve douteuse, mais voilà. C'est bon pour moi pour l'instant, ça va pas être trop dur de le battre. Allez, tout peut se faire encore sur un booster. Faut savoir que je n'aime pas perdre, alors... Ça va être
électrique entre nous. Et on fait quoi si on a tous les deux 3 euros? Bah, on se partage le dernier coffret, le dernier tripack. Donc, Charbi, Miamiasme avec son petit clin d'œil, la potion, Linéon de Galar, Goupilot que j'aime beaucoup et qui sort pas souvent, mine de rien, alors que c'est une simple commune. Une énergie, la sbire de la Timiel. Sbire de la Timiel, pourquoi là? Je sais pas. Nabil, Chapeautu, Bagate qui est une holographic reverse du coup, et oh là là, mais Estepoise et Altaria Holo. Et alors là. Bah c'est pas cool, hein, bah ça on n'en veut pas des pioches comme ça, clairement c'est pas cool. Ouais. Bon bah j'ai pas eu de chance, en ce moment je suis dans une phase de c'est la première fois je crois qu'on a un petit coffret de 3 boosters avec aucune ultra rare, d'habitude on a toujours eu au moins une V. Non, moi j'ai eu un coffret de 4 boosters où j'ai eu 4 holos. Eh ben. Et 3 fois Scolossandre. Ah oui. Dans les 4 holos. Ça rigole pas. Donc c'est un peu le seum quand même. Heureusement qu'il y avait la carte promotionnelle. Donc c'est à ton tour pour l'ouverture du coup du Greenbury. Ouais. La reine de Greenbury. C'est parti. Let's go, c'est à mon tour d'ouvrir ce coffret. Alors, on va aller combattre la reine de type plante. Alors, il est dur. Hop. Tu vas t'en sortir. Ouais, je vais y arriver. Alors, il y a plein de plastique, il y a un peu quelques cartes. Je vais faire un peu de place. Là. La petite blanc coton. Bon, la promo de type pourquoi plante. La petite, c'est peut-être un mâle, on sait pas. Hein. Peut-être. C'est quoi cette discrimination? Ouais. On va la considérer comme une femelle. Les boosters et enfin le pins de la reine plante. Donc la petite feuille, ça ressemble un peu. D'ailleurs, c'est la promo 046 pour ceux qui se demandent. Allez, on a les 3 boosters. Donc 3 illustrations différentes. Personnellement, ma préférée, c'est celle-là. Je la trouve pas mal. Ixon. Ouais, c'est ça. J'ai encore un peu de mal. Torgamor. Et lui, par contre, je me souviens pas de son nom. Lui, par Charmy. Contre, je suis. Du coup, on va l'ouvrir en premier. Hein. Hop, dans le coin, en avant. Bon, une ultra dès le premier booster. Et on est bon. On aura la main mise sur le prochain coffret. Hop. Bon, ce serait bien que tu perdes. Non, c'est impossible de te perdre. Je fais minimum égalité, là. Je peux que gagner. Oui, mais tu m'as comprise. Après, je sais pas. Hein, si, moi, j'ai quand même mis un Altaria Holo dans l'affaire. Hein. Allez, en avant, on commence avec Bibichu, la Total Soin, Bagiguan, Chacrépan, Machoc, pourquoi j'allais dire la reine, le type feu, l'énergie, l'hyper potion, Léopardus, la conserve douteuse, ça rappelle pas mal de souvenirs à une certaine personne. Hein, ça me fait rire cette carte. En reverse, on aura le Chacrépan qu'on a déjà tiré précédemment, et enfin la bonne pioche, on va le faire tout de suite, allez. Ah non, raté. Oh, c'est la pire en plus. Rosemary en hologramme. Non, la pire, pire c'est l'autre. Je crois que c'est recherche professorale, un truc comme ça. Bon, pas de bol. Premier booster. Hop, de côté. Tiens, c'est vrai que tu mets sous pochette. Allez, on attaque le deuxième booster. Si je pouvais tirer un petit drapeau feu. N'exagérons rien. Alors, on va prendre un peu de temps pour placer les cartes. Allez, là. C'était ton premier cinquième booster. Cinquième booster, ouais. Nous aurons dans le deuxième booster Charbi, Carvana, Potion, Rocabo, Aspico un peu en pâte à modeler, l'énergie métal, Kabou, Trévis, ça fait beaucoup de dresseurs. Absol, mon Pokémon préféré, celle-là je l'adore. C'est elle plus est Arcanin magnifique. Maintenant. Mais tous les deux, je les aime autant l'un que l'autre. Oh. Absol, Arcanin, je les kiffe. Arcanin un peu plus qu'Absol quand même. Ouais, mais Absol, il a quelque chose encore de plus mystérieux et que je kiffe. Il est, bah, il est plus rare aussi. Fin... En reverse, on aura un Conconfort. Et allez, on va changer la donne. Oh là là, quel massacre. Scolossandre holographique. On n'a pas beaucoup de chance. Ok. Et en plus, si j'ai pas d'ultra dans le prochain booster, bah, ce sera moi qui aura perdu. Parce qu'une holo dresseur, c'est un peu le pire des holographiques qu'on peut avoir. Donc, j'avoue que au final, c'est quand même toi qui es devant. Scolossandre, je l'ai eu en plus aussi. Donc ça fait là, c'est une égalité pour cette carte. Ouais. Waouh, c'est pas fameux du tout ça, qu'est-ce qui se passe? Moi je dis on mérite un petit Dracaufeu pour s'en sortir. Bah quand même hein. Allez, le dernier booster de mon arène, et après on pourra comparer qui ouvre le dernier coffret. Non mais j'ai trop peur. Pokéball, Sepiatop, Zigzaton, Miamias, Total Soin, l'énergie combat, Dresseur Nabil, Victini, c'est un Pokémon légendaire en plus ça Victini. Fabuleux. Ah oui, fabuleux, c'est vrai. Matchupper,
En reverse, on aura la totale soin et la bonne pioche de cette ouverture. Attention, oh là là, mais c'est pas possible, Bagage, comme toi. Okay. On a eu les mêmes holographiques. Sauf que j'ai eu Altaria et toi t'as eu Rosemary. Altaria. Et Altaria est mieux que Rosemary, il faut se l'avouer. Donc, bah, je reconnais ma défaite. Enfin, de base, c'est et j'ai perdu. De base, c'est quand même une égalité. Hein. Mais bon, c'est vrai que Rosemary est une holographique moins intéressante. Bon, bah, on compte sur toi pour faire bien mieux lors du dernier coffret, parce que là, c'est vraiment, vraiment pas glorieux du tout. Oh là là. Et le dernier tripack qui est sous vos yeux, celui de la reine de Motorbee avec le champion Kabou et son Scolossandre. Alors Scolossandre, je n'en peux plus, mais vraiment, c'est le Pokémon troll de la Voix du Maître en ce qui me concerne. Et je pense que vous le savez maintenant si vous avez suivi toutes mes vidéos. On essaie de se motiver mentalement parce que là, clairement, c'est un flop. Donc voilà, je vous montre quand même le dos du coffret pour ceux qui n'auraient pas vu. Ah, c'est vrai que j'étais trop vite tout à l'heure, moi j'ai pas montré le dos de mon coffret. Ouais, bah c'est au cas où ils veulent lire, au cas où ils veulent voir un petit peu le design du coffret, tout ça, parce que je trouve qu'il est vachement beau, hein. Enfin, ils sont vachement beaux, en fait, avec toutes les énergies comme ça ici, la brillance un petit peu chromée, enfin, tout est très beau, en fait. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir, et j'espère qu'on fera mieux quand même, en même temps, ce sera pas très dur, hein. Voilà. Ouais. Merci. Alors, la carte promotionnelle Scolossandre, on a notre badge, le petit code, allez, je vous laisse le code du tripack, hop. Et ensuite, nous avons nos trois boosters, donc je vous présente pas les illustrations, c'est les trois mêmes, et on y go. Moi, je pense que ça va bien se passer, parce que Torgamore, c'est un peu le Pokémon emblématique pour nous de cette série, on a eu tous les Torgamore, et je pense que ça va nous porter chance d'avoir, comme par hasard, trois Torgamore pour le dernier coffret. De toute façon, je me fais plus d'illusions. Donc, alors, Coconfort, Carvana, une potion, un petit Goupix, Machoc, une énergie, Peterson, Chapeautu, conserve douteuse, on n'en veut plus. Ah, c'est une belle celle-là, moi j'aime beaucoup. Mais je l'ai déjà eu comme ça, en reverse. Mais je sais pas si tu vois là sur les côtés. Oui, ça brille. On dirait qu'elle est abîmée. Non, non, c'est pas ça. Je sais pas si c'est elle ou c'est la carte de derrière, mais... Non, c'était pas la carte, raison, c'était pas la carte de derrière. C'était vraiment cette carte. Elle était abîmée, je pense. Et Zygarde en holo. Mais on n'en peut plus des holos. On va faire full holographique, vous pensez? On va faire un grand chelem d'holographie. Bon. T'inquiète, ça va venir. Moi, j'attends plus rien. Hein. T'as toutes les cartes en main. Moi j'ai peur. Alors, Goupilou, Tilton, Machoc, un Zigzaton de Galar, Goupix, une énergie électrique. Allez là, on le sent avec l'énergie. Léopardus, Trévis, Peterson. Au moins t'as des belles énergies. Hein. Oh, moi, je parlais d'énergie, bah au moins. Mais je l'ai aussi celle-là en reverse. Je ne sais pas toutes en reverse, mais celle-là je crois que je l'ai aussi. Et derrière. Mais non. Bon bah voilà. Recherche professeur. T'as eu officiellement la pire. C'est bien. Très très bien. Un massacre. Je démissionne. Faut me le dire si vous voulez que je revienne. Bon, y a pas de problème. Ok. Papier mâché, c'est douceur. C'est peut-être moi qui porte la poisse. Hein. Comme par hasard, je suis là, t'as rien du tout, néant absolu. Ça ne veut rien dire. Il y a des jours comme ça, avec et sans, et voilà. Donc, Tilton, Coconfort, Pokéball, un Machoc, Bibichute, et c'est Bibichute. Ah, est-ce qu'il dit chute? Bibichute. En fait, j'en sais rien du tout, je dis ça comme ça. Une énergie, Sepiatros, oulala, peu commune qui tombe jamais. Genre, je suis choquée. Stade de Greenbury, Léopardus, Carvanan en reverse, et j'en ai marre de ma vie. Et ma connerie. Bon. Bah écoutez, vous pouvez y aller franco hein, sur la boutique Pokémon, c'est commander tous les coffrets, tous les tripacks, la Voix du Maître, parce que clairement on a tiré les pires, donc maintenant vous pouvez y aller les yeux fermés, et vous aurez toutes les ultras qu'on aurait dû avoir et qu'on n'a pas eu. Donc voilà, je vous rappelle quand même que vous avez 5% sur tous les articles hors promotion de la boutique Pokémon, je vous mets toutes les infos dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, comme toujours, ça a été super bien emballé, avec toujours des petits bonus, sa petite carte de visite, des bonbons, des petits autocollants comme ça. C'est vraiment trop trop chou, elle est adorable, la gérante de cette boutique. Donc oui, mon chéri est en train de refaire la déco en même temps, c'est bien, on se complète. Voilà, en tout cas, oui, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés, parce que je pense qu'on a tiré tous les tripacks malchanceux, donc maintenant toutes les ultras doivent rester dans les autres.
Bah, bonne chance pour le Draco Feu, hein, parce que nous, ce sera pas encore pour aujourd'hui. Non, d'ailleurs, je sais même pas si je vais réouvrir d'autres boosters La Voix du Maître sur la chaîne ou si c'est le dernier, parce que là, clairement, j'ai quand même vraiment spammé cette série. On vous fait plein de piquets bisous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, très important, de laisser vos avis dans les commentaires et de mettre un pouce bleu, s'il vous plaît. Chacun d'entre vous, mettez un pouce bleu pour soutenir le moral, c'est important. Voilà. Bon, voilà, hein, c'est important. Ouais, on va aller se coucher. Allez, plein de piquets bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.